It is my distinct honor and pleasure to introduce our client, Monsieur Rüder Verstraat from Colruyt Group. Thank you very much, Deborah. Mesdames et messieurs, bon matin. Colruyt Group, tout d'abord, le français n'est pas ma langue maternelle, donc vous me permettez mes belgicismes. Maintenant, le problème, pendant des années, on a encodé, développé des logiciels sur mesure et cette technologie en est fin de vie, donc doit être modernisée. Il fallait donc moderniser tous nos systèmes faits sur mesure. À l'échelle du groupe, c'est relevant parce que ces logiciels ont grandi avec l'entreprise. L'entreprise est devenue d'une simple entreprise à un groupe d'entreprises. Et ces systèmes ont grandi de façon organique. Et il y a beaucoup de connexions point-to-point, loose coupling, ça n'existait pas encore à l'époque. Donc les structures de l'entreprise n'est pas forcément suivie dans comment les systèmes sont conçus. Les modules en elles-mêmes sont assez interconnectés, beaucoup de point-to-point integrations, des systèmes qui sont repris dans des autres systèmes, enfin, ça a grandi pendant plusieurs années. Vu la taille du challenge, vu la taille de ce qu'on va faire pour moderniser tout ça, forcément, il y a un impact au niveau du top management, C-level. Il y a un impact. Colruyt Group, qui est-ce ? Nous sommes dans la vente au détail, donc nos concurrents sont Carrefour, Deleuze, Aldi, Lidl. Quelques chiffres pour vous impressionner. On est énorme, on est très très grand en Belgique. Plus ou moins 1200 magasins, dont la moitié, un peu moins que la moitié, dans nos propres magasins et l'autre moitié avec les indépendants affiliés. Plus ou moins 29 000 employés et on est très grand en Belgique. On est aussi présent en France. C'est pas très grand en France, mais croissant. Tout d'abord, Colruyt Group, c'est un groupe, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs entreprises avec une autonomie assez importante qui sont chaponnées par le groupe. Chaque entreprise a ses propres objectifs, a ses propres structures, sa propre comité de direction. Un deuxième élément qui sera relevant pour la suite, c'est qu'on a actuellement 12 programmes de transformation qui sont actifs. Par exemple, ce programme de transformation-là a comme but de rassembler tous les services de contact client, les services téléphoniques, dans toutes les entreprises qui font partie du groupe et les rassembler dans un. Celui-là, par exemple, a comme objectif de moderniser notre supply chain, la logistique, pour les défis de notre époque et du futur, c'est-à-dire next day delivery, des fournisseurs et des clients qui deviennent de plus en plus dispersés. Ici, c'est en finance, aussi rassembler tous les logiciels, tous les processus de finance dans les différentes entreprises et les standardiser. À retenir, c'est que ces programmes de transformation, à la base, ont des objectifs business. Donc, à la base, ils n'avaient pas beaucoup à voir avec l'informatique. C'était vraiment des objectifs stratégiques qu'ils poursuivaient.
Sion représente tout le travail qui doit être fait, donc tous ces modules comme une dune de sable. Chaque grain de sable peut représenter une module, une banque de données, un système à décommissionner, à remoderniser, et on la met tous dans un gros tas de sable. La tâche devant nous, c'est d'enlever ce tas de sable et de le déplacer ou de faire en sorte que tout est parti. La première chose que l'entreprise a fait en faisant face à cet tas de sable, cette grande tas de travail devant nous, c'est de le couper en grands morceaux. Management level top down, de le couper en grands morceaux et d'attribuer le travail à un programme de transformation déjà existant. Par exemple, ici en logistique, l'entreprise a dit, puisqu'il y a un programme de transformation en logistique, tout ce qui est en lien avec la logistique, on les ajoute à ce programme-là. La même chose, par exemple, avec la finance ou les prix. Donc dans l'histoire, les programmes de transformation qui ont débuté comme des programmes de transformation business, orientés stratégiquement, ont aussi reçu un poids de informatique, legacy systems modernization. Si on descend un niveau plus profondément dans l'informatique, ce qui a été attribué à ce programme, c'était tous les composants, des modules, des banques de données qui étaient interdépendants. Si on était... Chaque programme était divisé en plusieurs projets, ces plusieurs projets faisant partie d'un roadmap d'un programme. Si on prend l'exemple ici, disons que ça c'est un projet qui est en GRH. Et ça, c'est une module où on peut encoder les nouveaux employés, par exemple, qui sont enregistrés dans une banque de données. Et ici, ça, c'est la finance. Eux aussi, ils ont des processus, des logiciels qui vont utiliser tous les employés, par exemple, pour générer la fiche de paye, par exemple. La complexité, c'est que si ce projet-là, ils vont par exemple migrer vers un package PeopleSoft, par exemple, à un moment donné, ils vont enlever ces données-là. Cette dépendance, c'est que s'ils veulent faire ça, ils doivent faire en sorte que les processus en finance suivent. Ici, c'est relativement simple, il y en a une, mais en réalité, il y a souvent énormément de connexions. Garder la connexion, ça veut dire que tout ça doit être testé aussi, donc ça a beaucoup d'impact sur les projets. Conséquence pour les projets, beaucoup de smileys rouges, de timings qui allaient mal, des budgets qui sont explosés dans les projets. La solution, il fallait absolument gérer cette complexité bottom-up, mais centralisée. Évidemment, on avait des systèmes, des processus de gestion, des programmes top-down, dès que le début, mais ils n'ont pas su gérer vraiment les dépendances entre ces projets d'un niveau data et d'un niveau technique. Et à travers les années qu'ils ont travaillé là-dessus, ça a prouvé un grand problème. Donc la solution, c'est qu'il faut évidemment garder cette gouvernance top-down, mais complétée par une gouvernance bottom-up qui prend en charge toute la complexité tant qu'elle est, c'est-à-dire au niveau des données et les connexions de data. Donc la gouvernance du bas vers le haut, ça c'est très important.
Aussi, c'est relativement complexe de communiquer sur ce sujet-là avec les gestionnaires, parce que c'est informatique, c'est compliqué, c'est des détails. Il fallait donc trouver un langage agnoste qui permet de communiquer sur ce problème-là dans tous les niveaux, avec les informaticiens, mais aussi avec le CEO, sans perdre accuracy. L'idée de base, c'est de minimaliser le nombre de dépendances entre les projets, parce que ça, c'est dangereux. Quand un projet doit gérer les dépendances avec trop de parties, ça peut ralentir le projet, ça peut faire exploser le budget et donc ne pas faire avancer la modernisation. La solution, on a un inventaire de tous nos systèmes et toutes les relations qu'il y a entre ces systèmes-là. Cet inventaire, on l'a déjà depuis longtemps, mais il nous manquait un outil pour le gérer. C'est tellement complexe, c'est tellement grand, qu'avec les outils de base, on ne le faisait pas. C'était techniquement possible, mais on ne le faisait pas parce que c'était trop complexe. Et c'est là que Tom Sawyer nous a aidés à créer un logiciel de gestion et de visualisation pour obtenir cet langage agnoste et pour vraiment gérer tout ça de façon faisable, on va dire, et plus claire. Le processus de gestion, il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut savoir quel projet va décommunicer quoi, même encore avant que les projets aient commencé. Ça, c'est l'avantage. On peut en fait prévenir les projets des futures difficultés qu'ils pourraient avoir et déjà le gérer, même avant qu'il y ait une équipe, même avant qu'il y ait un project manager et tout ça. Faire en sorte que tout est couvert, que tous les systèmes sont attribués à un projet. Et puis, regarder le nombre de dépendances des projets. Un projet qui a par exemple 300 dépendances sur des autres projets, ce n'est pas gérable. Commencer ce projet comme ça, c'est demander beaucoup d'ennuis. 3 dépendances, ça pourrait être... Donc on fait aussi un audit sur la faisabilité des projets dans le futur. Et puis après, évidemment, dès qu'on a tous ces données structurées dans des projets, on peut aussi faire le suivi pour vérifier que le progrès est comme attendu. Nous avons choisi Tom Sawyer parce que l'outil de Tom Sawyer nous permet d'être assez dynamique dans la visualisation et surtout de gérer différents niveaux. Ici, vous voyez des niveaux organisationnels, des niveaux de gestion de projet, des niveaux techniques qui sont tous mélangés et qui peuvent faire un roll-up. Donc, en fonction de à qui on s'adresse, des techniciens ou des gestionnaires, on peut utiliser le même outil, mais à des différents niveaux. Et plus important, l'outil, ce n'est pas seulement to visualize, mais ça nous permet aussi d'éditer nos données. Ça veut dire qu'on gagne aussi du temps en visualisant, on rechange, on bouge les objets, mais c'est aussi enregistré, donc ça nous permet de gagner du temps. Since we have to manage a very high amount of components, it is impossible to render them all in one screen. That would not be readable. That's why we came up with the concept of focused items. A focused item means the screen will only show you those other components which are relevant for you, means that have a connection or a dependency with this component. So instead of showing all the components we have, it will only show you those that you need to see if you're working on this. This will allow us to navigate easily and more user-friendly throughout this big amount of information. Now, our purpose was to fill the scope of projects. So if, for example, this online module we want to deal with it,
very likely we will also want to deal with this in the same project. So then it can be also put into as that same focused item, and now the image is recalculated and it will show you all the relationships of these two items combined. Here you see the original one. This we took extra in scope, and but this in turn is also connected with these four other modules. So now we might want to issue a new project. And this project we want to assign to a non-food, because this is going to be a non-food project. So now we've created a new project within the non-food business, and we want to actually assign the scope of that project. So in this case, we're going to take this one and this one and drag it into scope of this new project. Also, this means that our project, which now in our simple example has two components in it, has five external relationships. Three in the same domain, the non-food domain, but also two with another domain being the product service center. Here we can maybe further optimize. So here we could say this we can add to the project, and who knows, this we can also add to the same project. So far, the number of external dependencies did not increase, so these were actually smart things to do. If we move this one in scope of the same project, this gives a completely different result. Here you can see that if we should add that third component to the scope of this project, that would mean that the number of dependencies outside the project hugely increases. So this is a very difficult component to take into scope of a project. Then we can should discuss with the project manager, program manager, business owner, whether we want to add that load to this particular project or not. And if not, then the project can stay clean, can stay small with only two external dependencies, which is good. But this component, of course, is not gone. So now we have a project with which will actually modernize four components, one table and three online modules with dependencies with three other modules which are out of scope of this project. This was a very simple example. In real life, the puzzles we need to make in this way are much more complex, but the tool will help us visualize it, simulate on the fly, so that while doing this we can also immediately have the right interactions with the right people, project owners, project managers, technical people, architects, to decide whether yes or no we should move certain things in or out scope of projects, and while doing so coming to an optimal scoping with as limited amount of dangerous external dependencies as possible.